Et yo tout le monde, comme vous le savez, les aficionados de ma petite chaîne, j'ai déjà débloqué le camouflage interstellaire et donc du coup maintenant je m'attaque aux armes que j'avais pas faites. Et il y en avait une que j'avais skip parce qu'elle me saoulait un peu, c'était le KV Inhibitor. Et du coup je suis en train de le faire et j'arrive donc du coup au camo suivant qu'on débloque au niveau 22 qui est donc fait 10 fois 3 émulations avec un seul chargeur. Et donc comme la plupart des éliminations multiples sans mourir ou multiples avec un seul chargeur, c'est buggé. Je vais vous montrer dans ce gameplay, grosso modo, ce qu'il faut absolument faire, c'est recharger tous les multiples de 3 kills. C'est-à-dire que vous faites vos 3 kills avec un seul chargeur sans mourir, c'est bien. Globalement, c'est ce que vous demande le défi. Mais si par exemple vous faites 2 kills, qu'entre-temps vous mourrez, et que quand vous réapparaissez, vous en faites un troisième, et ben là vous rechargez après ce troisième. Et du coup, ça va quand même compter pour le défi. Donc finalement, c'est buggé parce que globalement, encore une fois, vous êtes mort entre-temps et du coup, vous avez utilisé deux chargeurs. Donc voilà, vraiment le réflexe qu'il faut avoir, c'est toujours recharger tous les multiples de 3 kills. 3, 6, 9, 12, 15, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous faire la table des multiples de 3, d'accord? Et si jamais par contre, vous faites vos 3 kills, et que vous voulez recharger pour du coup valider le fait que ce soit avec un seul chargeur mais que vous mourrez entre temps, c'est pas grave, quand vous réapparaissez, vous tirez une balle en l'air et vous rechargez. Ok? Voilà. Donc petit gameplay pour vous montrer tout ça en direct. Oh putain, ça sent la sueur là. Voilà les grosses maps. Oh là 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 là. Mais non. Mais ils sont où? Ah non, il a une micro. Ah ouais. Comme ça. Oh putain, allongé au sol comme ça, comme ça. Le mec, il est. Ah, il est derrière un peu long, il a peur. Allez, qu'on laisse trouver la main, qu'on laisse trouver la main. Ah mais plus de colonne de la mer, c'est une chose, mais de là, camper comme ça. Pourquoi faire ça? Ah, l'hélicoptère, je me fous! Je me fous! Ah merde, faut encombrer les chasseurs aériens. Aïe! Non, ça tire pas assez vite quand même, c'est de l'oublier. Allez, 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 allez. Et nous voici du coup après le défi. Donc comme vous avez pu voir dans le gameplay, je l'ai bel et bien débloqué. En prenant soin de vous montrer que bien évidemment si vous faites votre 3 kills avec un chargeur sans mourir et en prenant bien soin de recharger après vos 3 kills, c'est validé, c'est le but du défi. Mais surtout, vous avez pu voir dans le défi, comme je vous l'ai dit en intro, que voilà, parfois ça m'arrive de faire un kill ou deux, de mourir. Ensuite de réapparaître et de terminer les kills pour arriver au nombre de 3. Et une fois que c'était le cas, je rechargeais. Même si j'étais mort entre-temps, même si du coup j'avais utilisé plusieurs chargeurs, ça valide quand même le défi. Donc la morale de l'histoire, c'est quel que soit le nombre de fois où vous mourrez,
tous les 3 kills, vous rechargez. Et si vous n'avez pas le temps de recharger parce que quelqu'un vous tue, bah dès que vous réapparaissez, vous tirez une balle en l'air et vous rechargez. Ce qui fait qu'en fait, le défi est buggé et beaucoup plus simple que l'intitulé le demande. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.